Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 13, voyage à Rome. Étude de la semaine, acte 27 et acte 28, Romains 1, les versets 18 à 20. Verset à mémoriser, n'aie pas peur, Paul. Il faut que tu comparaisses devant César. Acte 27, verset 24. Paul avait depuis longtemps souhaité visiter Rome, mais son arrestation à Jérusalem changea tout. En cédant à la pression légaliste des dirigeants de l'église de Jérusalem, il se retrouva en détention provisoire chez les Romains pendant presque 5 ans, dont le temps passé en mer lors du voyage vers l'Italie. Ce changement représentait un coup sévère porté à ses projets missionnaires. Malgré le contretemps, Jésus lui-même avait promis que l'apôtre témoignerait tout de même de lui à Rome. Acte 23, verset 11. Même quand nous le décevons, Dieu peut nous donner une autre chance, même s'il ne nous épargne pas toujours les conséquences de nos actes. Non seulement Paul fut emmené à Rome en tant que prisonnier, mais il n'y a aucune preuve biblique qu'il n'est jamais allé en Espagne, comme il avait espéré, Romains 15, verset 24. Après avoir été relâché, Paul allait de nouveau être arrêté, mais cette fois pour subir le martyre, de Timothée 4, verset 6 à 8, sous Néron en 67 de notre ère. Certes, Paul arriva à Rome et pendant qu'il attendait d'être jugé devant l'empereur, il s'exprima malgré ses chaînes. Éphésiens 6, le verset 20, Philippiens 1, le verset 13. Sans empêchement, à quiconque lui rendait visite, acte 28, versets 30 et 31, y compris des personnages importants de la maison de César, Philippiens 4, le verset 22. Et nous vous laissons cette réflexion. Paul savait que ce voyage à Rome serait probablement le dernier voyage de sa vie missionnaire. Et cependant, cela ne l'empêcha pas de parler aux autres de l'amour de Jésus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.